Yon gros salutation pour nous tous, ces amis au Wester des Amours dans Bassla Production et Bassla Production Academy. Je dis à son plaisir pour moi pour me commencer avec première leçon Bassla et que m'inviter tout le monde qui est intéressé à apprendre basse et tout l'autre instrument yo, et m'espérer que leçon ça yo pourra servir nous pour nous capables de devenir des grands musiciens. Pour moun ki débutant nan bas, li genyen kek bagay le wap commencer avec bas ke ou dwe konnen yo. Donc kòd yo, déjà se bagay ki très important, kòd yo yo commencer en bas pou monter, et premier kòd la rele sol, deuxième nan rele ré, troisième nan rele la, quatrième nan rele mi. Donc ou kapab gade tout ou bas la genyen sa rele kazye. Donc premier casier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, etc. Ou capable garder tout ou gagne quelques petits points qui gagne là entre troisième casier gagne un point, cinquième casier gagne un point, septième casier, neuvième casier, douzième casier. Donc tout ça yo, c'est des choses qui très important. Donc côté point yo ya, c'est en sorte de position yo marqué. Donc si vous jouez dans premier point, ça veut dire c'est première position. Deuxième position, troisième position, quatrième position. Côté double point yo ya, c'est où recommencer encore à zéro. C'est même genre avec tête basse là ici. Donc côté ou double point yo ya, c'est basse là qui recommencer là encore. Donc basse que m'gagne dans même là, c'est basse qui gagne 24 casiers. Et donc gagne qui gagne moins que ça. OK? Donc ou pas besoin un basse 5 cordes, un basse 6 cordes pour commencer à jouer basse. M'a conseillé et encourager tout le monde qui voulait rentrer dans jouer et apprendre jouer basse, acheter un basse avec 4 cordes pour capable débuter. Là ou fin qu'on jouer ou capable aller dans l'autre basse, yo, mais pour le moment rester dans un basse 4 cordes qui c'est un basse standard. OK, donc l'autre bagaille que me besoin expliquer encore qui très important, c'est question de microphone yo. Nous capable dans basse ça nous gagner et deux microphones, mais c'est deux microphones qui subdivisé en quatre. Donc c'est quatre microphones les gain. Bon, son sorte d'électronique qui est là, pas besoin expliquer ça pour le moment. Donc dans une autre vidéo m'a expliqué ça ça veut dire. Pour le moment, nous considérons que Bassa a gagné deux microphones, donc et puis c'est tout. Donc, Konya, comment nous pratiquer, comment pour capable pratiquer Bassa pour qu'on joue le bien. Il y a une question de droite que nous devons connaître. Dans la main gauche, nous gagnons cinq droites, pas vrai? Droite que nous utilisons, c'est index là. Avec lui-même, c'est première droite, deuxième droite, troisième droite, quatrième droite. Donc, dans la main droite, nous gagnons cinq droites, yo tout. Premier, deuxième, troisième, quatrième droite. Là, je ne parle pas de droite, je parle toujours de premier, deuxième, troisième, quatrième. Je dis, je vais commencer à montrer nous qui sont pour capables d'apprendre à jouer basse. Mais premier bagage que je vais montrer nous, c'est une gamme. On nous imagine que vous avez une gamme de do, ou habituellement de tout le temps, on a joué une gamme de do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. OK, donc aussi simple que ça, c'est ça nous habitué tendez, c'est li nous pour le débuter avec li pour montrer aux qui gens ou capable commencer jouer gamme ça et puis à partir de gamme ça ou ka vin jouer toute l'autre gamme yo, à partir de l'autre gamme yo ou ka commencer jouer yon morceau. Donc qui gens pour jouer yon gamme de do et les wap débuter. Donc deuxième droite là dans main gauche li même l'a trouvé dans première position. Ça veut dire côté premier point hier ou gain là ou mettre deuxième doigt tout en troisième casier ou bien premier point, première position et puis là ou commencer avec do. OK? Donc deuxième bagaille ou gain pour faire si droite là, ça veut dire quatrième droite là lui-même, là joue même code là, troisième code, cinquième casier, deuxième point ou bien deuxième position, c'est là retrouvé. Ça veut dire do ré. OK? Donc troisième
note que vous jouez dans la gamme, c'est mi. Donc, mi lui-même lui trouve dans le deuxième casier, deuxième code, et puis qui droite qui joue, c'est première droite. Ok? Donc, on joue encore deuxième droite. Do, troisième casier, cinquième casier, petite droite là, quatrième droite, ré, et puis premier droite, deuxième casier, qui code? Deuxième code, qu'on y a là, nous jouons mi. Et puis tout de suite, en point, nous jouons fa. Qui droite qui joue fa? C'est deuxième droite, dans qui casier li joue, dans troisième casier. Ok? Côté première position, y a. Et là, où je veux fa. Ok, à nous recommencer encore. Do, ré, mi, fa. Qu'on y a après fa qui? Note qui vient, c'est sol. Eh bien, qui droite qui joue sol, c'est cette droite là encore, quatrième droite. Dans qui position, li joue dans deuxième position ou bien deuxième point. Et puis, qui code li joue sous li, c'est deuxième code là. Sol. Ok? Donc, on a refait tout encore, cap et do comprennent plus bien. Do, deuxième droite. Ré, quatrième droite. Mi, première droite. Fa, deuxième droite. Sol, quatrième droite. Qu'on y a, après sol, qui note qui vient, c'est la. Qui côté nous jouer là? Nous jouer là dans le deuxième casier. Premier code. Ok? Et qui droite qui joue, c'est première droite. Donc, et puis après là, nous gagnons. On nous recommence là encore. On a joué Do, Ré, Mi, Fa, Sol. La, ok, qu'on y a la qui note nous gagne encore, nous gagne si. C'est première fois nous jouer avec troisième droite là, pas vrai? Donc c'est troisième droite là, trouver le dans si. Et dans qui position les trouver lui-même? Les trouver dans quatrième casier. C'est celle note qui unique dans un gamme majeur. C'est troisième droite qui joue et les dans quatrième casier. Là, nous jouons toutes les notes encore. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Qu'on y a arrêté une seule note pour nous finir. Et c'est Do, aigu. Donc, Do. Qui note qui joue, qui position? Nous, je sais, dans la deuxième position. Et, alors, deuxième position, nous disons c'est deuxième point, côté deuxième point, dans cinquième casier. Sous qui code nous jouons dans le premier code là. Ok? Et puis, c'est quatrième droite là, c'est droite là qui joue. Donc, c'est comme ça, gamme majeure. Bon, je vais jouer pour nous encore complètement. Nous dit Do, trouver dans troisième casier. Un, deux, troisième casier. Donc, sous qui code les joue dans troisième code. Et puis, qui droite qui joue, c'est deuxième droite. Do. Ré, trouve le dans cinquième casier. Qui code, c'est troisième code. Qui droite qui joue, c'est quatrième droite. Mi, trouve le dans deuxième casier. Qui droite qui joue, c'est premier droite. Sous qui code lié, c'est dans deuxième code là. Donc, Fa, trouve le dans troisième casier qui code qui joue et sous qui code lié li trouve dans deuxième code et qui droite qui joue c'est deuxième droite. Sol trouve dans cinquième casier c'est quatrième droite qui joue et sous qui code ou joue fa ça c'est dans deuxième code là. La, nous parlons de sol, excusez-moi, sol. Donc la trouve dans deuxième casier. Qui droite qui joue, c'est premier droite, c'est premier code. Si, trouvez-le dans quatrième casier, qui droite qui joue, c'est troisième droite, et sous qui code lié, c'est dans premier code. Do, pour nous finir, ça veut dire do aigu, nous jouons avec quatrième droite, c'est premier code là, et li trouvez-le dans cinquième casier. Qui te joue tout complètement? Aussi simple que ça. Donc, ou gen doit ouais, c'est l'on position main yo avec position casier yo. Toute note
qui joue dans troisième casier, c'est deuxième droite qui joue. Toute note joue dans deuxième casier, c'est première droite qui joue. Toute note joue dans cinquième casier, c'est quatrième droite qui joue. Tout. Ok, donc ça c'est un bel exemple pour conserver parce que dans toute gamme majeure c'est même Jean Lapralier. Si vous voulez jouer gamme de sol, de pour faire même formule là, vous jouez sol tout. Sol tout veli dans cinquième et dans quatrième code. Si nous faisons même méthode là, l'absonné est sol majeur. Sol la si do ré mi fa sol. Ouais, même technique là que m'utiliser. Donc ça veut dire deuxième droite, quatrième droite, première droite, deuxième droite, quatrième droite, première droite, troisième droite, quatrième droite. Donc c'est même genre toute gamme majeure dans basse là. C'est ça qui fait basse c'est un instrument qui facile pour comprendre, facile pour jouer. Donc parce que même ça on sort fait là dans gamme de doigts, même formule là, même position droite ou appliquer dans n'importe qui gamme, on joue le même genre. À nous faire une troisième gamme qui c'est gamme de ré par exemple, si nous dit n'a commencer avec ré, nous fait même bagaille là, ça veut dire ré mi fa sol la si do ré. Donc ouais, même technique là que m'utiliser pour gamme de do, c'est lui même m'utiliser pour gamme de ré et puis li sonne même genre. Donc si monter en haut là dans quatrième corde là, m'a pour aller directement dans gamme de la. Donc à nous jouer gamme de la pour tendre avec même principe là, même formule de droite yo. La si do ré mi fa sol la. OK. Donc à nous quitter quatre gammes ça pour le moment, quitter montrer nous des techniques pour nous capable utiliser les nappes jouer gamme là avec main droite nous. Pour main droite là, il est très très important pour connaître qui technique pour utiliser les wap jouer. Donc m'a conseillé tout étudiant, tout monde qui a débuté dans basse depuis le commencement pour nous apprendre technique ça. Toujours battre pour que les wap jouer basse pour que ou utiliser index majeur. Ça veut dire IM ou bien 1 2, ça veut dire première droite, deuxième droite. Pour que chaque note ou fait ou pas jouer deux notes avec une seule droite. Chaque note yo ou utiliser yon droite pour faire. Par exemple, si m'a joué do avec ré, m'a joué do avec premier droite, immédiatement que m'pour le faire une autre note, que ce soit ré ou bien que yon autre note que lié, m'a utiliser deuxième droite là pour me faire. Pour qui raison? C'est parce que depuis le commencement, ou doit battre pour gagner ça crée les clarité dans façon que ou jouer. Et si ou plaît de jouer toute note yo avec yon seule droite, ou ap pral vin gen sakre le fatigue, doit ou ap fatigué ou pap ka gen vitesse. C'est ça qui fait me dire même si ou débutant ou bien que ce soit avancé, si ou pas connait ça tu apprendre li konnen parce que c'est un bail qui extrêmement important. Les musiciens a pas apprendre c'est tout bassiste. Donc on conseille nous développer tout des doigts ça. Même si c'est seulement do que m'a joué, mais m'a toujours bat pour si me faire deux notes dans doigt, me faire avec deux doigts ça 1 2. OK? 1 2. Pour que me pas faire 1 2 avec un seul doigt etc. Donc c'est très important. Et puis quand il y a tout gain, ça crée les et en question des tons. Donc qui son m'a parlé de qualité de son. Si vous jouez et basse là sous côté premier microphone là, yeah. Microphone ça lui-même c'est microphone low qui est lié. Donc et c'est ça qui puis pour bridge là veut dire pont ça côté cordio fini lui-même c'est high. Avait dit si ou a débuté dans instrument depuis qu'on y a apprendre ça parce que ça pour le servir à l'avenir pour qu'on ait pour gagner bel son les wap jouer. Par exemple, ou gagne doit bassiste mais le wap joué ou gen doit fort j'ont été capable fort depuis ton ou bien qualité de son pas belle li ka difficile pour joindre un groupe professionnel pour jouer là-dedans parce que
ou bien dans studio, ça ka bon en pile problème depuis ou pas gen bel son lè wap joué. Son li chita nan droit tout, ça veut dire qu'ils vont développer droit yo, mais tout c'est qui position ou jouer avec li nan sous basse là. Par exemple, en fonction de qui musique wap joué, est-ce que c'est sous high là pour jouer, est-ce que c'est sous low ou bien pour éviter ni high là ni low etc. Par exemple, bamba montre nous un exemple de ça m'a dit. Si me jouer gamme de doa là entre et fin bassa dans 24e casier avec et microphone low. Écoutez pour dans des sons. Hein? Ouè ki kalite som gen, kon y a la m pral jwèl deye net, deye premye mikrofon hay la. Tande ki kalite son li gen kon y a. Kon y a la m ap fon troisième an, kon m ap jwèl au milye a, pou nou tande, ave di entre lo avec hay la, pou nou tande ki kalite son ke li gen kon y a. Donc, si je joue et c'est net sous casier, la gagne un autre son. OK, donc pour que ça montre gens de bagay ça, c'est parce que les wap débuter dans instrument, li important pour connaître parce que c'est depuis dans début pour commencer mettre tout application ça yo en évidence pour que les ou vin avancer dans instrument pour connaître les wap jouer avec qui qualité de son que wap jouer parce que ça très important pour yon qualité pour qualité au musicien pour connaître qui j'on vle sonner est-ce que sonner belle ou bien est-ce que son led donc ça veut dire développement doit yo c'est ba qui très important mais tout et qu'on imposition pour jouer son bail qui est important en pile. Donc yon l'autre encore, ça veut dire pendant la pratique et gamme là essayer faire par exemple des sons dans do. Yon façon pour nous capable pratiquer technique index majeur 1 il est très important pour nous pratiquer ça et puis après au fin à l'aise dans gamme nan avec droite ça un deux essayer jouer un petit genre plus rapide pour si vous gagnez vitesse. Pi rapide toujours. Et si vous gagnez un métronome, commencez avec un tempo par exemple 60 et puis après vous montez le 70, 80, 90, 100 etc. OK? Donc pas aller trois fois yon seul coup. M'espérer que ça me démontre nous capable aider nous apprendre jouer basse réellement. Donc c'était un plaisir pour moi avec nous. M'espérer je nous pour une autre vidéo. Pour le moment m'a dit nous bye bye.